Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV. Ici Migaoui pour une nouvelle vidéo sur Fountain of Youth. Et oui, j'ai trouvé finalement la petite herbe. Vous savez, l'herbe, merci à Toff. J'avais oublié, autour du rocher où il y avait le Santa Maria. Et c'est là que je l'ai trouvé. C'est celle-ci. Je vais y retourner parce que, peut-être. Parce que si je veux me faire les vêtements, OK, qui sont un abri contre la chaleur, là. Et d'ailleurs, lorsque je suis arrivé sur l'île, bougez pas, cette île-ci, au début, on me donnait cet objectif-là. Il y avait un autre objectif, ensuite, il y avait trouvé ces algues-là. J'aurais dû les trouver pour faire les vêtements qui me protègent de la chaleur. Je ne l'ai pas fait, alors j'ai vécu un peu l'enfer par rapport à la chaleur sur cette île-là. C'est trop tard pour les fabriquer. Peut-être que je vais le faire pour le plaisir de le faire parce que je vais peut-être y retourner, aller chercher du cuivre, entre autres. Mais là, on doit aller sur une des deux îles. J'ai aucune idée laquelle serait l'île du vent. Il va falloir y aller. Alors, je pense qu'on va aller là, naturellement. On va le faire dans cette vidéo ici. Ça va être celle de droite. Là, j'attendais parce qu'il y avait des nuages. Et je me suis dit, il va peut-être pleuvoir. Puis effectivement, juste avant de commencer la vidéo, il s'est mis à pleuvoir. Alors, ce que je vais faire, on va ramasser ça. Et je vous reviens parce que je veux en même temps fabriquer. Bougez pas, l'inventaire. Je veux fabriquer ceci. OK, je vous avais posé la question. Est-ce que ça valait la peine? Parce que dans ma tête, je me disais, je devrais faire ça ici. Les chapeaux et tout ça d'algues. Mais finalement, j'ai bien compris que ces vêtements-là sont vraiment faits pour l'île où il fait chaud. Ceux-là vont être bons pour l'île où il fait froid, les vents et tout. On va voir avec le temps. Donc, je ramasse l'eau, parce que j'en ai full. Ça ici, c'est toute full, sauf elle, elle est à moitié vide. Je ramasse tout ça, puis je vous reviens avec les vêtements. Bon, le soleil revient. Je viens de finir de... J'ai encore de l'eau, mais je peux rien. J'ai pas d'autres contenants. Il y a un peu d'eau. Alors, tout ça est plein. J'ai plein d'eau ici. J'en ai sur moi, puis j'en ai dans mon bateau. Là, ce qu'on va faire, je pense que c'est... Je pense que je sais pas... Où c'est qu'on fait ça? C'est-tu là? Non. Oui, c'est là. Alors, on va faire ça. Travail. Ça me prend... Ah, punaise. Les esprits d'aiguille à marde. OK, je pense que j'en ai pas. J'en ai-tu? Oh, man. Ah, c'est con. Je pense que j'en ai pas. J'en avais une en métal. Je sais pas trop où j'avais trouvé. Je pense que ça prend des os de poisson. Hein? Ça se peut-tu que ça prenne ça ou ça? Je sais pas. On va prendre les deux. On va s'en faire. Je crée bien. En os. Mais il me semble que j'en ai pas. Je veux pas la faire. Ben, je peux la faire en... On va aller voir. Je pense que je peux la fabriquer en métal. Pendant que je cherche ça, naturellement... Ah, là, aiguille en cuivre. Ça prend un cuir. Hein, j'ai ça. Puis on fabrique ça où? Forge primitive. J'en ai un cuivre. Je sais pas où ce qui, mais j'en ai un. Non. Ah, il est là. Voilà. C'est ça, pendant que je fais ça. Ah, c'est lui que j'avais mis. Mon Dieu, il a roulé loin. Attends une minute. Je vais juste le déposer. Voilà. J'adore ça. Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous. Oh non, je ne veux pas gaspiller ça. J'ai besoin de ça pour réparer mon... OK, attends une minute. C'est pas ça. Oh, un petit lag. Méchant lag. Fabrication. Aiguille. OK. Un métal, ça en donne trois. Bon, on va allumer le feu. Pourquoi?
Oh, punaise, c'est quoi, ça prend charbon? Ben oui, j'en ai. J'en ai du charbon. On n'est pas yob, mais j'en ai. Allez, 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 allez. On s'en va en voyage. Après, j'ai une croisière à faire, moi. OK. Il y en avait peut-être déjà dedans. Voilà, j'aime ça. Placer trois objets. Ah, j'aime ça. Non, c'est pas ça, Totoche. Travail. Trempé a disparu. Ah, c'est bon. Là, je devrais avoir mes aiguilles. Ah, cool! On va dropper ça. Ah oui, non, non, attends une minute. Il faut que j'éteigne le feu. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, quoi que je devrais peut-être le faire. On va sauvegarder. Menu principal, non, on retourne. Merci, bonsoir. Et on continue. Et maintenant, on va fabriquer. C'était-tu là? Ouais, c'était là. Non, c'était pas là. Ah, ben oui, il est déjà prêt. Donc, travailler ma petite tuque. Hey, j'aimerais ça voir mon personnage, moi, de quoi il a l'air avec cet attirail-là. Allez! Après la tuque, le chapeau. Ça ressemble à de l'équipement de trappeur canadien, ça. OK, on y va. Travail. On fait un troisième équipement, mon homme. Les pantalons. Je veux pas me voir me promener en petit tutu de Hawaii. Les chaussures placées. Perfect! Y a-tu le temps de se coucher? Ben écoute, on va dormir avant de partir. OK, ça on va le garder. Ça, je vais redropper ça ici. Alors, le pouce bleu, les commentaires et ainsi de suite. Hey, ça, mon homme est tabouin. Bouge pas. Ah, c'est fantastique. Et ça, ben, on va le mettre là-dedans. Hein, pourquoi pas? Les aiguilles, moi, les mettre ici. J'aime ça, mettre ça proche de mes. C'est pas ça, c'est ça. Le bois, on va le garder. Les ossements, on va les remettre où c'était. Je sais plus où je les ai pris, mais on va dire que c'était là. Personne ne m'a vu. Les crabes, on a ça. De la bouffe, on va en trouver là-bas. Il faut que je me trouve quatre. Quatre autres de même. Je vous explique. Pour fabriquer, parce que là, j'ai pris le dernier pour réparer ceci. Ça m'en prend 10 et 2 de ça. Fait que ça, c'est cool. Mon bateau, il est rendu à 1400 peut-être. Alors, écoutez, je fais un somme et au petit matin, on s'en va vers l'île des vents. Bon. Je me suis arrêté là parce que, naturellement, lors du transport, vous avez la zone ici. Et la zone, c'est la même distance à peu près, en fait, en coût d'usure de bateau, c'est la même chose. Mais visuellement, je pense qu'on est quand même un peu plus proche si on va passer par là. Et d'après moi, ça serait elle. Ben, je ne sais pas, en fait. Mais on va aller à elle. J'ai envie d'aller là, fait que j'espère que c'est la bonne. Ouais, c'est là qu'on va aller. Sauf que là, je suis venu ici. J'ai été sur l'île 2 minutes pour aller me chercher du bois. Je me suis fait ça ici. On va faire ça. Et non, on fait pas ça en fait. On va. Oups. Ça. Et il me semble que c'est ça. Voilà. Et tabouin, hein? Ça répare, mais. Ouais, on n'a pas le choix. Voilà. Et on va partir. Naturellement. Bon, je vous disais, là, c'est ça, c'est vraiment autour de l'île ici.
Où est-ce qu'il y a le Santa Maria que j'ai trouvé à la troisième plante aquatique. Alors, merci. Il y a Tuff 81 qui m'en avait parlé, puis il y en a un autre, il me semble. Willow, je pense. Je ne sais plus. Mais peu importe, merci bien. Et c'est une place que j'avais oublié de regarder et j'aurais pu chercher longtemps avant de les trouver. Donc ça, c'est pas l'île que je veux aller. Remarquez que c'est peut-être elle, l'île des vents, là. Je sais pas. Bon, on va dire que c'est elle. Elle m'intéresse. Ben, les deux m'intéressent, en fait. Alors, écoutez, je m'en vais là. Je m'approche, puis on se voit rendu là. Je viens de me dire que je devrais aller voir ma carte. Vous voyez, la carte, ça, c'est ce qu'on a. La pyramide, elle ne devrait pas être loin. Je pense que je l'ai vue. Sur la carte, j'ai marqué les îles et les directions dans lesquelles Pons a envoyé ses subordonnés en recherche. Un, temple sous-marin. Deux, l'île pluvieuse. Ah, oh, mais c'est pas marqué deux. Île brumeuse et l'île venteuse. Quatre, îles venteuses. C'est quoi ça? Windy? Ah ouais. Ouais, Windy. On le voit pas bien, là, mais ça doit être Windy. Ouais, fait que c'est elle. OK. Je suis pas mal sûr que c'est elle. Regardez, la pyramide dans l'eau est là. Il y a encore pas mal de petites choses à faire. On va le savoir tout de suite. Ah, ben voilà. Trouver Diego Nunez. Hey, monsieur Nunez, on ne s'en vit. Tabouin, m'a dit, comme il dit, regardez-moi les arbres, comment que ça bouge. Oh! M'a volé. Hey, je devrais me faire un cerf-volant. Ouais. OK. On doit trouver monsieur Nunez. Faut commencer par pogner des crabes. Ma lance va sacrer le camp à gauche. Ouais, il vente rare, hein? OK. Peux-tu voir s'il y a des affaires dedans? Bon, du bois. On va le prendre. C'est mieux qu'une claque saillée. C'est quoi ça? Ah ben, c'est un baril. Il n'y a rien dedans. OK. Je comprends pas trop qu'ils vendent ici, mais qu'ils vendent pas là-bas. Pas bien, bien loin, là. Hein? OK. Puis je sais pas c'est quel genre de bête que je vais trouver ici. Moi, là, savez-vous ce que je vais faire, là? Bougez pas. On va réparer le bateau. Est-ce que j'en ai? J'en ai 6. Puis comment que j'ai de l'autre? J'en ai 5. OK, c'est bon. On va juste faire ça, là. Ouais, j'ai réparé ma hache. Oh oui, ça, on va prendre ça. Ah, dans ta face! Par contre, j'ai pas de... Ah, une autre noix de coco. Et je pense qu'on va prendre ça, puis on va réparer. On va peut-être avoir besoin de plus de bois parce que je vais me faire un feu de camp, mais je sais vraiment pas où. OK. Puis il me donne le bois qu'il faut, fait que c'est pas payé. J'ai pas pensé, c'est ça, d'emmener mes. Vous savez, pour fabriquer mon quai. Parce que là, il va falloir que je fabrique un quai. OK. On va y aller. Mais avant, oui, c'est ça. On va fabriquer ceci. Fabriquer. Voilà. On répare. Va donc chier.
Ah, ça, je vais faire, Totoche. Je vais le réparer. Où ta bois? Ouais, continuez. On s'en fout. Ouais, c'est ta faim, mon homme. T'as soif, surtout. Ok. On boit ça. J'ai-tu de la bouffe rapidos? On peut faire ça. C'est où? Ah, oh, c'est dans le feu de camp à boire. Je pense ça, je me rappelais plus. Ah! Anyway, est-ce que je peux dormir? On va dormir. Insolation, vent glacial, t'as à boire, hein? Mon corps combat la maladie et bon, ok. C'est quoi le problème? Insolation. T'as eu un coup de soleil? Tu me niaises? Punaise, t'es chiant. J'ai été 5 minutes dans l'eau. Pardon, dans l'autre île. C'est d'une connerie! Ok, on s'en fout. On a dormi. Là, c'est quoi la temps? Ah, même pas, regarde. On a... Ok. Puis si je fais ça... Ok. Punaise, c'est chiant. Je ne fais que passer. Je cours après vous. Je vais te pogner. Oh! Ah! Venez-vous-en! Et ta boire! Peut-être un peu trop. Oh my God! J'en ai eu des frissons. Tu fais chier, toi? Les crabes m'ont attiré dans un piège, vous avez vu? Wow! Monsieur Nunez! Ok. Il y a une petite place à aller voir là. Je me rappelle plus. C'est quoi? Oh, j'ai pas. Oh, punaise, c'est chiant. Ok, c'est ça. Tortue, crabe, harpie, ok, les chacals et les dorades. Ah, oh, ben c'est correct. Mais ils n'ont pas dit les serpents. Ok. Ah, puis il y a de l'obsidienne. Bon. Ils sont là, les petits crimes de crabe. Écoutez, je fais des recherches, puis je vous reviens. Je vais voir c'est quoi ces affaires-là. Juste le vent fait que c'est plus... épeurant, moi, ouais, ce serait le mot. Plus stressant. Oh! Viens-t'en, viens! On va juste voir, pas marcher sur un foutu... Ah ah! Tu m'as-tu vu? Ah ouais, ma harpie! Pas de l'air à te préparer. Ah ah ah! Il veut pas venir. Non, il veut pas venir. Ah, boy. C'est venteux rare, ici. Ouais. Deux trésors, là. OK, on va y aller après. En fait... Je vais vous garder avec moi. Ça va faire peut-être... Oh, shit. Est-ce que tu serais pas Monsieur Nunez? Punaise. OK.
26 mètres. Attends une minute, tu es de l'autre bord. Qu'est-ce que c'est? Il y a du sang pas mal ici, là. C'est pas bon signe, ça. Ok, ils sont tombés d'en haut. Bon, ben, je pense que c'est dans la grotte. Il faut faire le tour. Ouais, c'est ça, c'est en haut, là. Oh, punaise, tu m'as fait peur. On va attendre que ça la charge. Our navigator Diego Nunez arrived here to study winds. He was in the middle of his studies when the killer caught up with him. Looks like the first shot only wounded Diego. He tried to escape, but the second bullet killed him. The poor guy didn't even fight back. What kind of monster could do such a thing? Pas faire de peine, mais les Espagnols à l'époque, ceux autres avec, étaient pas mal des monstres. Vous avez terminé l'intrigue principale dans cette région et vous pourrez continuer à rechercher Ponce de León et le reste de l'équipage dans l'une des prochaines mises à jour du jeu. Continuez d'explorer le monde et développez vos compétences à votre rythme. Il y a beaucoup d'autres aventures qui vous attendent. Ah ben tabouin! Ben écoutez, on va continuer parce que là, on est là. Ponce de León. Ben monsieur Nunez, on est désolé pour vous. On va aller là parce qu'il me semble qu'il y avait. C'est pas là qu'il y avait là. Ben non, t'as à boire, c'est en dedans. Ok, attends une minute. Y'a rien, y'a fuck all ici. Hop là, je veux pas tomber là. On va aller dans la grotte. L'histoire est présentement terminée, mais y a d'autres choses à trouver, j'imagine. Ok. Ben c'est toi qui m'énerve, Simonac, t'es où? Je regarde même pas où ce que je vais. Callisti. What the fucking thing? Attends une minute, là, Simonac. J'ai pas une torche, moi, je vais pas emmener une torche avec moi. Eh non, moi, je fais pas ça. Moi, je m'en vais à l'aventure, pas de torche. Rien de la merde. Ce que tu vas faire, tu vas me piquer, m'en faire un jump, puis. Bonjour. C'est quoi votre nom? Ah, vous êtes deux. Vous faisiez pas quelque chose de croche toujours? Hop! Où es-tu? Simonac, la petite sonnette, là. T'es où? Ah là, Simonac. Ah, t'es là, mon enfant, Totoche. Dans ta gueule. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Y'a un coffre. Y'a un coffre. Oh. Un os. C'est quoi ça? Fragment d'obsidienne. Ah, ben écoute. Ah, ben c'est bien. Ok. On va dans le noir. On va faire un esprit de jump. Oh. Ah. Dans des recoins comme ça, là. Je vois une lance. Oh, je vois. Wow! Niaiseux. Va pas. Je vais te faire griller. Va dehors. Wow. Oups. Désolé. Je voulais pas te casser.
C'est quoi qui m'a donné une lance en pierre? Tu me niaises. Attends une minute, toi. Ouais. Je suis capable de m'en faire des lances en pierre facile. OK. Ouais. C'est joli. Pas vraiment, en fait. OK, on peut ramasser... nécessite pioche en cuivre. Ah ouais. C'est quoi? Barricade en pierre. OK, une pioche en cuivre. On fera ça plus tard. Qu'est-ce qui... Oh, petit bout de bois, on va le prendre. Oh, c'est bien. Faut visiter. Hein? OK. Mais ça, il va falloir que je me fasse une pioche en cuivre. Parce qu'il y a quelque chose là. Ça va me donner peut-être juste des matériaux. Mais bon. On va monter. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Ben là. Et mon Dieu, OK. Ah, un livre. On va augmenter notre bibliothèque. Bon, ce livre-là, il fait quoi? Lancer, déverrouille l'effet. Écrit par le maître de l'escrime, la taille décrit l'utilisation... Le traité, la taille. Décrit l'utilisation de la géométrie, de la logique... et de l'acuité visuelle pour utiliser le plus efficacement possible les différents types d'armes. Ah ben écoute, on va lire ça un coup qu'on sera... Tabouère. Écoute, donc, je m'en vais où de même? Je m'en vais au sommet. Je check en tabouère. OK. C'est ça, me disait. C'est ça, me disait. Il y en a combien de tes amis, là? Ah ouais, come! Viens-t'en, mon tabouin. Oh, attends. Wow, 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 non, annulé. Hey, viens-y pas. Ah ouais, viens, ce tabouin. Non, non, va-t'en pas! On s'amuse! On s'amuse! Wow. OK. On s'amuse ensemble. On peut tout ramasser. Écoute, il n'y a pas de niaiseur avec ça. Bon! Peux-tu allumer un feu ici, moi? Ah! OK, il semble que j'ai enfin découvert le mystère de cette grotte. À en juger par les peintures sur les rochers, les indigènes vénéraient un arbre unique trouvé au fond de cette mine. Ah. L'arbre a grandi au milieu, hein? Surchauffe? Ah, de la merde. Et les gens pouvaient respirer seulement... Ben, écoutez, faites une capture d'écran, puis lisez-moi ça. OK. Je suis rendu au niveau 3, moi. Tabouin. Nécessite porte-clés en pierre. Ben, écoute, ça fait 29 minutes que ça dure. Vous savez quoi?
On va faire une pause. Est-ce que je peux? Non. Ouais. Fait qu'écoutez, on va arrêter ça là. Puis, oh shit. Comment je fais pour baisser? Non, c'est le contraire de sauter. Je sais plus, moi. Ah, c'est ça. Oh, fucking thing. Qu'est-ce donc? Un nouveau plan a été débloqué. Ajouter recette de soupe fraîche. Ben merci, monsieur gentil. Je viens de trouver comment faire de la soupe. Je sais comment faire de la soupe. J'en fais de la bonne. Ok, c'était quoi cette affaire de soupe là? Ok. Une soupe fraîche. Fait à partir d'eau et de poisson. Ah ben mon Dieu. Et le journal, c'est quoi cette affaire-là? Le livre que j'ai trouvé. La note, la loupe, la recette. Ben, c'est perfect. Écoutez, on va faire un arrêt là-dessus. Je vais peut-être continuer tout de suite, moi, faire une autre vidéo de suite, comme ça sera fait. Alors, si vous avez aimé, ben, écoutez, continuez à nous regarder. Mettez-moi ça en. Hein? Abonnez-vous, en fait. C'est quoi ça? Ah, c'est mes Christy de loup. Abonnez-vous à la chaîne, le pouce bleu, les commentaires, et ben c'est ça, on va continuer parce qu'il y a des choses à découvrir encore, même si l'histoire en tant que telle, on doit attendre que ça se continue. C'était Migaoui pour Ludos JV. Merci, merci. On se revoit pour une prochaine vidéo.